Hello tout le monde, dernièrement nous avons découvert ensemble dans une vidéo le contenu de la box pédaleur du mois de novembre et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir celui de cette box Athlete Running Club. Donc la box pédaleur c'était pour les cyclistes, aujourd'hui c'est pour les amateurs et amatrices de course à pied. La box Athlete Running Club, si vous ne connaissez pas le principe, bah, je vous la réexplique rapidement. C'est une box pour laquelle vous prenez un abonnement et du coup ensuite vous la recevez chez vous tous les deux mois directement dans votre boîte aux lettres, et elle contient normalement de 4 à 8 produits surprises hein, dédiés à la course à pied, qui peuvent être des produits de nutrition, des produits de soins du sportif, des vêtements, des accessoires, enfin tout ce genre de choses. Et puis bah là, que nous approchons de Noël, hein, ça peut aussi être une idée de cadeau, parce qu'il est possible de prendre des cartes cadeaux de 2, 3 ou 6 box. Hein. Et puis autrement, au niveau prix, ça coûte 25€, et donc, pour 25€, et bah ça serait quand même bien de savoir ce qu'il y a dedans, savoir si ça vaut le coup. Ce qui est sûr, c'est que la box pédaleur, le contenu m'avait vraiment séduit. Hein. Je vous remets la vidéo dans un coin de l'écran, vous pourrez aller voir ça. On va voir si ça se passe aussi bien avec cette box pour le running. Alors ici, je vois d'après l'étiquette de la poste que ça pèse 620 grammes. Je la secoue un peu, hein. Je pense que la poste a fait pire, mais... Là, comme ça, je dirais que dedans, il y a une boîte un petit peu conséquente. Peut-être un espèce de truc de crème ou je sais pas. On entend un peu de paperasse. Ah, je sais pas, c'est très très difficile en fait de discerner comme ça ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, bah, on va l'ouvrir. Donc là, encore une fois, je vous mens pas, hein, je découvre vraiment en même temps que vous en coupant ce petit scotch. Voyons voir. Allez, je vous montre en premier. Hop. Bon, et ben vous voyez en premier qu'il y a du papier. Qu'est-ce qu'on a? It's run o'clock, c'est rigolo, c'est l'heure de courir. Moi ça va pas être le cas parce que je me suis cassé un petit peu le pied la semaine dernière. Welcome to the club, ok. Allez, sous le papier, on a le petit journal dans lequel on va retrouver, maintenant je le sais, les prix des différents produits, les infos et tout ça. Donc on se garde ça pour plus tard. On a quoi ensuite? Ah, une paire de chaussettes de la marque Riwan. C'est une marque que je connais et que j'aime beaucoup. Donc là déjà, je sais que c'est du bon produit. Je connais d'ailleurs ces chaussettes, j'en ai déjà. Chaussettes de compression Riwan, donc elles font chaussettes et manchons de compression. Et vraiment, elles sont très très bien, donc ça c'est cool. En plus, ils m'ont mis la bonne taille là pour mes grands pieds. Malgré que je fasse du 48, du 44, 46, ça me suffit. Et donc ça déjà, ça commence bien avec ces chaussettes Riwan. Vraiment un très bon point. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Ah, bah j'avais dit qu'il y avait un truc un petit peu gros. Alors, on a un lait d'amande à la vanille. Pourquoi pas? Lait d'amande à la vanille à base d'amandes déshuilées au sirop d'agave. Et c'est enrichi en algues lithotamne. Voilà, un truc comme ça. Source de calcium. Bah écoutez, pourquoi pas? Bon, là, j'avoue que ça fait un petit peu... On prend le petit goûter pour les enfants, avec les petites briques comme ça à l'ancienne. Mais voilà, ça se goûte, pourquoi pas, pour découvrir. Est-ce que c'est vraiment produit running pur et dur, je ne sais pas, mais why not, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Ah, et bah, vous voyez, j'avais dit qu'il y avait de la pommade. Donc là, on a une crème et les mats, forme athlétique, ça je ne connais pas. Baume essentiel apaisant. Alarnica, huile essentielle, romarin, eucalyptus et immortel. D'accord. Et... Bon, d'accord, ça ressemble à ça. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire si ça sent bon ou pas, parce que là, présentement, je suis covidé et j'ai perdu mon odorat. Donc, je ne sais pas. Si vous connaissez, pareil, dites-moi dans les commentaires si ce baume, il sent bon ou non. En tout cas, bah, je testerai ça. Ça sera bien pour les muscles, dès que je pourrai me remettre un petit peu à bouger davantage. Ok. On, ça ressemble à un petit gel. Donc... Last 20 secondes, je suppose. Biogel, et c'est un gel. On a quoi? De l'eau, du glucose, maltodextrine, acérola, maca. Ok, la marque ON. J'avais déjà vu ça quelque part, jamais testé. Après, j'avoue que moi, je suis pas un grand fanatique de gel. Bon, ça peut être l'occasion d'essayer, mais peut-être que ça, c'est plus quelque chose que je donnerai. Je ne sais pas encore. Ok, et ensuite, paperasse, Run Motion. Pour une application. Ok, choisis ton coach virtuel, tout ça. Donc ça, j'ai l'impression que c'est juste une petite publicité. Et non, en fait, on a un code promo avec 2 mois d'abonnement premium pour RunMotion. Voilà, je crois que nous avons fait le tour. Ah non, il reste un petit truc. Un petit autocollant. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est, je suis pas toujours trop partisan d'avoir des autocollants, des machins. Je pense qu'on est peut-être 90% des gens après à les jeter. Donc bon, mais autrement, il y a des petites choses sympas. Et j'ai envie de dire que...
Rien que la paire de chaussettes, déjà, ça fait plaisir parce que vraiment, je vous le redis, elles sont bien. Le baume apaisant, ça, je vais tester. Le lait d'amande, ça va toujours être sympa à boire un de ces quatre. Donc, on a 4 produits et un code promo. L'autre jour, j'avais fait le juste prix pour la box pédaleur. Est-ce que je me refais la même chose? Je revérifie une dernière fois qu'il n'y a plus rien. Non, c'est bon. Est-ce que je me refais la même chose ou pas? Peut-être pas. On va regarder directement les prix. Ah, c'est tentant quand même. Allez. Les chaussettes, ça, je crois qu'il y en a pour... Parce qu'en plus, je les vendais, moi, celle-là, sur la boutique de mon blog. Et j'ai oublié le prix, mais je crois que c'était 20 euros. Un peu plus, peut-être, celle-là, 20-25. 20-25, donc déjà, ce serait le prix de la box. Un petit baume comme ça, il y en a bien pour 10-15 euros. OK. Après, les deux autres produits, ça va pas être bien cher. Hein. Ça, peut-être, je sais pas, 2 euros, 3 euros. Et ça, un gel, c'est quoi, 2,50 euros, 3 euros aussi, en général. Donc, allez, on va dire tout ça, il y en a pour... 5,50 euros, 6 euros, 31, 31, 41, 46. Donc encore une fois, je dirais entre 40 et 50 euros. Vérification. Alors, les 2 mois d'abonnement premium à RunMotion. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas compté. Ça serait 60 euros l'abonnement d'un an, 25 euros le trimestre, 9,99 euros le mois. Donc j'en aurais pour 20 euros. Même si ça, j'ai envie de dire que c'est du virtuel, on ne va pas le compter dans le prix. Ah, le baume et les mats, c'est quand même 25 balles. Ah ouais. Ah ouais, ok, 25 balles le baume. 30 balles la paire de chaussettes, vous voyez, j'étais un petit peu en dessous, alors c'est que je faisais des sacrés promos à mes clients. Donc 30, ah ouais, on est déjà à 55, 2,30€ le gel, 1,70€ la petite brique, donc là ça fait 4, 55, on est à pas loin de 60€, sans compter le truc RunMotion virtuel. Donc on en a pour son argent, j'ai envie de dire, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi si je dois garder vraiment 2 choses dans la box, ce sont ces 2 éléments-là, le baume et les mats et les chaussettes Rewan, là je pense qu'on est sur quelque chose de sympa. Après les petites choses à goûter, moi c'est vrai que je suis moins fan quelquefois des toutes nutritions, mais ça je pense que ça va me plaire. Ça je sais pas, d'ailleurs j'ai... Ah c'est goût fruits exotiques, voilà, je cherchais, donc c'est sûr que ça va pas me plaire, mais ça je pourrais le donner à quelqu'un. C'est des petites surprises dans ce genre de box, on n'est pas forcément toujours satisfait de tout, mais on trouvera forcément des gens à qui ça peut faire plaisir. Donc non, je trouve que c'est plutôt pas mal le contenu de cette box, bonne surprise encore. Dites-moi maintenant, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je sais aussi qu'en plus de cette box running et de la box cyclisme, donc la box pédaleur, la marque propose aussi une box randonnée, c'est la box Camp Vibes. Donc voilà, si vous êtes plus rando, vous pouvez aussi regarder ça, peut-être qu'un jour on pourra la découvrir sur la chaîne. En tout cas, si ça vous intéresse, bah, je vous remets le lien dans la description. Comme ça, ça sera facile à trouver. Et puis voilà, sur ce, likez, commentez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt.